Coucou tout le monde, donc là il est très tard. Il est très tard, j'ai fini le boulot. Assez tard, j'ai dû m'occuper de ma fille, etc. J'ai pas pu filmer de vidéo parce que je sais que maintenant c'est vraiment très très dur de filmer avec ma fille parce qu'elle veut tout le temps prendre la caméra, etc. Je suis pas tranquille, alors je préfère faire des petites vidéos tranquilles toute seule. Le temps qu'elle s'y habitue, etc. à la caméra. Comment dire? Alors, je reviens, comme promis, pour ma vidéo, comment je vais organiser ma soirée, mon réveillon. Voilà. Donc, j'ai trouvé sur un site qui s'appelle La vie de miette. Je vous mettrai en barre d'infos. Il est top. J'aime beaucoup ce que fait cette personne. Et donc, je vous fais partager ce que j'ai découvert. Donc, elle propose plein de trucs. Des petites étiquettes à mettre sur la table. Comment dire, des menu entre guillemets, il est vide et vous mettez ce que vous voulez dans votre menu, etc. Vous pouvez l'imprimer. Des invitations pour le réveillon, etc. C'est vraiment topissime. Et donc, moi j'ai imprimé le. Et donc moi j'ai imprimé le. L'organisateur de la soirée de Noël. Donc. Alors j'ai pas imprimé toutes les feuilles et c'est celui de l'année dernière parce que j'ai une imprimante qui déconne complètement. Et donc le nouveau de cette année il était très foncé. Moi personnellement je le trouvais assez chargé entre guillemets avec beaucoup de... Bah, très foncé quoi. Donc je me suis dit mon imprimante elle va me faire quelque chose de très très moche. Et donc j'ai pris celui de l'année dernière qu'elle avait fait aussi. Et qui est vraiment est tout aussi bien, malgré qu'elle a amélioré quand même un petit peu celui de. Ben un petit peu, beaucoup entre guillemets, celui de cette année. Mais sérieusement, celui de l'année dernière était très bien et suffisant pour moi. Et ça, c'est très bien qu'elle veuille améliorer, etc. Ça. Voilà. Donc, moi, j'ai imprimé que quelques feuilles. On n'est pas obligé de tout imprimer. Alors. J'en ai un comme ça, c'est une feuille à moitié blanche. Alors je pense qu'il devait y avoir un mot et il m'a imprimé que sa signature. Bah sa signature. Son petit nom, voilà. Donc sinon j'en ai une autre. J'en ai un autre, c'est les idées qui vont et qui viennent. Vous voyez, j'ai même du mal à lire. Qui marque tellement mon imprimante est vraiment nullissime. Alors ça c'est idée pour le menu. Après idée pour la déco, idée pour la musique, idée pour les cadeaux et autres. Elle dit ne pas stresser et s'y prendre à l'avance. Entre parenthèses un petit un peu. J'ai même mis ma sauce. Ensuite il y a la liste des courses. Alors là c'est marqué les féculents, les légumes, boulangerie, miam, autres, les fruits, les laitages et les boissons. Donc voilà. Ensuite, les cadeaux de Noël. Donc là, vous mettez pour par exemple pour mon frère, etc. Et puis vous mettez ce que vous avez acheté. Ou ce que vous voulez acheter, etc. Alors, la décoration, c'est la feuille de la décoration. Donc c'est marqué le thème global, le sapin à créer, déco générale, la table à acheter et autres. Alors ici, il m'a même pas tout imprimé. Ça c'est le menu que vous gardez pour vous, entre guillemets. Où c'est marqué apéritif, entrée, plat, dessert et il faudra mettre boisson en dessous.
Alors ça, c'est la journée de Noël. 1, 2, 3 Noël, le matin, l'après-midi et le soir. Donc moi, ça va être un peu difficile parce que je travaille. Donc j'aurai rien à mettre le matin ni l'après-midi. C'est quand même cool pour ceux qui ont toute leur journée pour s'occuper de cette soirée. Et là, c'est la journée de Noël. La journée de Noël. À penser, à aller chercher et du côté des cadeaux. Voilà. Donc je trouve super. Je vais remplir ça tout à l'heure ce soir. Bah, ce soir, entre guillemets, parce que là, ma série a déjà commencé. Et donc je vais continuer en regardant le deuxième épisode de ma série à la télé. Et voilà, et puis je voulais vous faire partager ceci parce qu'on est quand même à moins d'une semaine de Noël et ça peut peut-être vous être utile. Voilà. Donc, ma vidéo pour ce soir est terminée. Je suis vraiment désolée mais de faire des petites vidéos, etc. Mais j'ai vraiment des journées très prenantes, etc. Et malheureusement, je peux pas faire plus. Donc je vous dis à très très vite et je vous fais de gros bisous.